Oriental poison. Wassalam, alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que toi bien pour vous et que votre nuit se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Pour cette nouvelle vidéo, je suis pas tout seul, c'est avec juste Jules. Yo, what's up? Bon, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage juste avant que la vidéo commence. Et si vous voyez cette vidéo, c'est que forcément, il y a eu les 75 000 likes sur la vidéo précédente et sur la vidéo de la musique de l'IA, où on chante elle et moi, ou en tout cas, si elle sort, c'est qu'on en est vraiment pas loin. Bon, bref, dans tous les deux cas, on devait faire notre fight, t'es venu me proposer, donc j'ai bien sûr refusé. Mais bon, il est un peu fin, je crois qu'il va me défoncer. Après, je dois vous parler, juste après le combat, je dois vous parler sérieusement. J'espère que vous comprendrez, la famille, d'accord? Allez, on y va? Vas-y. 60 kilos? Ouais. Contre 900 kilos? Je fais 70. 70. 70 aussi. Tu fais 70? Non, c'est un menteur, il fait 60. Fight! Je fight. Wow. Ça commence! Ça commence! Tu m'as dit que tu voulais fight! Viens là! Vas-y, viens là! Wow! Ah! Oh. Merde! What? T'as fait quoi, Jules? Ça va? C'était prévu ça? Je sais pas. C'était. Ouais, il a fait un AVC. Il a fait un AVC, je crois. Je suis allé où là? Oh là là. T'as perdu Abdel. Oh les gars. Joule. Et le grand vainqueur. GameX13 disqualifié. Défaite par KO. Oh, les gars. Par KO. KO. Tu comprends ça? KO. Viens que je t'enchaîne moi sur le mur, Joule. Voilà, là, mon pote. Tu t'es pris un de ces KO. Ça va, Attends, il est un peu... Il est encore sur... Il est flashé, là. On est où? On est chez GameX13. Oh, Joujoul, parle-lui, là. Un KO, là. Explique-lui ce qui s'est passé. Gros, t'étais ici, je t'ai mis une patate, t'es tombé. En plus, il a commencé à te courir derrière et attends, tout. Attends. On n'a pas fait encore le combat, lui, moi. Si, là, tu t'es pris un KO. Enfin, là, vous avez vu, Isabo. Vous avez vu, il c'est un rageux. Je me rappelle avoir ouvert le portail. Ouais. Et après, je peux rien, frère. Non, je t'explique. Explique-lui, Joujoul. T'étais en train. T'as couru, il courait derrière. Ensuite, t'es tombé là, tu t'es relevé, tu t'es pris un KO. Et non, t'as ramené jusqu'ici. C'est bon, t'es disqualifié, rage pas. C'est comme ça, gros. Un mec comme moi de 15 ans, il t'a mis un KO, mon frère, voilà. Et c'est bon, on va dormir. C'est pas grave, ça va être sur YouTube. Bon, du coup, j'ai gagné. Oh, aide ton collègue, s'il te plaît, il est dans les maps. Il doit plus rien, là. Ouais. Je vois pas. Et c'est parti en couille. Qu'est-ce que t'as fait, Joujou? Je sais pas. Je vois un truc bleu là avec du vert. C'est la piscine. Je vois juste du bleu et du vert. C'est quelqu'un qui te l'a acheté, ça s'appelle Zantar, il te l'a acheté. C'est bon, allez, lève-toi là, c'est bon. Tu me fatigues. Combien vous me donnez sur. Je vois sur 10 au niveau acteur. Franchement, c'est un peu bien, t'as vu, du coup 7. Et toi, Joule? Mais 8. 8? Allez, bon, la famille, ouais, je vais expliquer un petit peu le bail. On a voulu vous faire un petit truc un peu marrant avec Joule, il est revenu de Suisse. Voilà. J'espère juste que vous avez kiffé le bail, j'espère juste que ça vous a diverti. Et je vous propose par contre un truc un peu plus sérieux, mais ça va être dans le fun, d'accord? Un combat entre lui et Momo dans la piscine. Ah là là, ça va être un peu plus fun et ça va. Il n'y a pas de coups, il n'y a pas de quoi, il n'y a rien. C'est de l'amusement, voilà, entre deux gars. Comme je l'aurais dit, pas de bagarre, pas de violence, c'est juste pour s'amuser. Et la famille, je sais que beaucoup d'entre vous. Vous avez du mal à accepter le pardon de quelqu'un. Il m'a fait du sale et vous savez que depuis que je suis sur YouTube, il y en a au moins 30 qui m'ont fait du sale et encore plus et je les ai toujours pardonnés. Et certains étaient des vieux amis à moi. Lui, c'est pas un vieil ami à moi, c'est rien, il me devait rien, tu vois. Donc même s'il a fait le con avec moi, il me devait rien de base. Mais moi, je suis quelqu'un qui pardonne de base les gens et ça me dérange pas de pardonner parce que moi, personnellement, des fois quand je fais le con et que je m'excuse auprès de vous, j'espère qu'une chose, que vous me pardonnez quand je m'excuse. Donc le pardon est une chose importante. Je sais. Vous le détestiez parce qu'il a merdé avec moi. Il a volé deux de mes vlogs, un clip. Il a fait quoi encore? Il a fait croire qu'il s'appelait Aridi, alors que c'était des trucs qu'une meuf lui a fait. Il s'est trompé dans le brevet. Il a mis un en 2019, un en 2016. Ok, il s'est manqué. Il a voulu faire le con. Bon, il s'est manqué à plusieurs. Dans plusieurs trucs. Après, voilà, il a 15 piges, 16 piges. Fait 16 piges. Il est comme Momo. Et Momo, c'est autant un abruti que lui. C'est des jeunes, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc à un moment donné, moi j'ai cru que t'étais beaucoup plus grand, je savais pas que t'avais vraiment 15 ans réellement. Je croyais que t'étais plus grand taille. Moi j'avais 17. Et là, quand je t'ai vendu, je t'ai dit quoi? Tu dis, je croyais que t'étais plus grand. Ah ouais? Elle est la vidéo sur YouTube, je croyais qu'il était plus grand. Je croyais qu'il était plus grand, je croyais que t'étais limite majeur, bien dans pas longtemps. Je fais plus majeur dans tes vidéos, mais là c'est vrai que là tu fais qui coule l'œil. Mais bon,
Vous m'avez compris. Et voilà, la femme, il faut lui pardonner. Ça rien, c'est bon, on lui a pardonné. Il a déconné. Il s'est fait. J'ai pris une fessée, voilà, il s'est excusé, voilà. Le pardon, c'est quelque chose d'important, la famille. Quand vous faites une connerie, peu importe l'âge que vous avez, peu importe le sexe que vous avez, peu importe la religion que vous avez, peu importe, quand vous faites une bêtise, vous aimez tous qu'on vous pardonne. Le pardon est une chose importante. Après, ma foi, la personne, tu la pardonnes, elle te refait du sale. Ça dépend ce qu'elle te fait après. Si c'est pas trop grave, tu la repardonnes, elle te refait du sale. À un moment donné, stop, coupe les ponts, tu vois ce que je veux dire. Le mec, bon, il m'a fait du sale, je le connaissais pas. Il me connaissait pas, il m'a fait du sale. Maintenant, je l'ai accueilli chez moi, je lui ai expliqué un petit peu les choses, je suis allé à Genève, je lui ai expliqué un petit peu les choses. En fait, j'ai joué à son propre jeu. Il a dit, ouais, à 150 gemmes, viens, je te casse la gueule. Je suis arrivé devant lui, je lui ai dit à Genève, bon, bah, tu vas faire quoi? C'était juste pour lui retourner sa langue contre lui-même. C'est tout. Voilà, et tout ça sans violence, sans rien. Vous voyez, juste avec du truc, on peut régler les choses. Ouais, il a besoin de me fracasser, j'ai besoin de le fracasser. Bon, ok, là, j'ai pris un sac à chaos, mais bon, on a compris. Bon, voilà la famille. En tout cas, on se retrouve avec une vidéo piscine pour Momo et du coup notre ami Jul. Et voilà, en espérant juste que ça vous a diverti. Et moi, comme je vous l'ai dit, là, l'histoire au début c'est vrai, mais là c'est que du divertissement. Si c'était faux avec lui, je vous l'aurais dit, je vous aurais dit les gars, voilà, c'est faux, l'histoire c'est faux, on a fait ça pour déconner. Je sais que vous allez rien faire, vous allez rien dire, vous allez me dire tonton, tu nous as juste bien eu. Combien de fois je vous ai fait des pranks où avec Momo on vous faisait croire des choses et après on vous a dit un scénario. Voilà, c'est un scénario, tu vois. Là c'est un scénario, là c'était un scénario, hein, je l'ai invité. On le dit, frère. Je lui dis viens frérot, si tu veux faire une vidéo comme ça et tout, ça va faire rire les abonnés et tout, viens. C'est vous qui m'avez proposé une vidéo combat avec Jul, vous m'avez dit que ça peut être marrant, je l'ai fait. Et c'est vous, dans les vidéos d'hier, c'est dans quelle vidéo que t'as vu ça vidéo. La vidéo d'hier là, la vidéo où je l'invite chez toi. Voilà, où je l'invite chez moi, il y a eu combien de likes, il y a eu je crois bombardement de likes pas mal, ouais. Et il y a eu aussi hier en live Twitch, parce qu'on en a rigolé avec les abonnés, ils m'ont dit ouais, j'aurais dit j'invite Jul demain pour une vidéo piscine. Et ce Twitch ils vous le diront, il y avait quoi? Oui, le chat c'était un truc de fou, on était 3600, c'était que des oui. Donc voilà, je l'ai fait la famille, et moi c'est juste pour vous divertir, pour que vous vous amusez et pour que vous rigolez. Voilà, c'est tout. D'ailleurs, venez sur Twitch. Ouais, rejoignez-moi la famille. Il est en description, le lien Twitch de toute façon, et on live tous les jours à partir de 20h. Donc à partir de 20h, t'es avec moi, t'es en direct, on joue ensemble, on parle ensemble, regarde, y'a rien de mieux. Donc rejoins ma chaîne Twitch, il est en description aussi. On se laisse, et puis bon, t'as plus qu'à faire le combat avec Momo, mon gars, oui. Et voilà, ça va se passer. Hein. Bon, prenez soin de vous. Je serai l'arbitre. Et n'oubliez pas, la famille, le pardon, c'est important. Alors oui, j'ai vu autre chose aussi. Et ça, beaucoup d'entre vous me l'avez dit. Ouais, tonton, en faisant comme ça avec Jujujul, il y en a beaucoup qui vont te provoquer exprès pour que. Alors, le truc, les gars, c'est que ça marchera pas avec eux. Je vous explique pourquoi, mes abonnés. Lui, en fait, il a pas fait ça avec pour but vraiment de faire ça avec moi, tu vois. Alors que, il me provoque exprès. Par but. À but que je leur réponde, que je vienne les voir et que en fait je leur fasse la morale parce qu'ils se disent ouais GameX13 il va pas venir nous taper, il va juste venir, il va discuter avec nous et voilà, il va nous mettre un coup de pression, il va discuter avec nous et puis c'est tout, tu vois. Ils se disent ça, mais au final en fait j'ai même pas envie de les calculer parce que je sais honnêtement que c'est pour essayer de gratter du buzz comme lui. Lui il a pas essayé de gratter du buzz, mais c'est pour essayer d'avoir le même buzz, vous voyez. Genre lui là il a 100 000 vues par vidéo, pourquoi? Bah parce qu'il a l'embrouillé avec moi. Avant il faisait 1000 vidéos, hein. 1000 vues par vidéo, vous voyez ou pas? Et donc lui et moi quand on a mélangé un peu cette histoire, ça l'a fait exploser, ça m'a fait. Bon, ça m'a fait exploser, mais ça l'a fait surtout exploser lui parce qu'il est passé de 1000 à 100 000. Il est aussi à 10 000 abonnés. Voilà. Bref, en tout cas, on se laisse la famille. Prenez soin de vous et d'Amifa et on se retrouve pour la suite, Inch'Allah. Et en tout cas, ceux qui comprennent pas encore l'histoire, c'est pas grave, voilà, je vous en veux pas. Ceux qui disent ouais, Abdel, tu me déçois, voilà, je vous en veux même pas, la famille. Bisous et à bientôt.